Kevin, comme tu l'as dit, cette victoire a fait du bien. On t'a senti ému. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions, surtout ici en France. J'ai senti un public réceptif à ma souffrance, entre guillemets, des derniers mois. Je suis un sportif, j'ai ça dans l'âme, j'adore les chevaux, je suis passionné, mais je suis aussi fou de sport. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a une saison sans résultat comme celle de 2015 a été. Il y a eu des bonnes choses, mais il n'y a pas eu de grandes choses. Et c'est vrai que 2016 commence bien avec cette victoire, qui est une victoire significative. Toute mon équipe était là parce que Sylvana se retire demain. Il y aura un bel hommage et je pense qu'il y aura un bel hommage parce que justement ce soir ils vont pouvoir se dire que tu peux partir en paix, je suis là pour prendre la relève. Et Rêveur était un cheval formidable, je l'ai toujours dit. J'ai eu des problèmes à trouver vraiment les solutions. J'ai gagné un Grand Prix avec lui, c'était il y a 4 ans. Là, un retour ici avec un barrage qui n'était pas normalement pour lui parce que ce n'est pas un cheval très rapide. On a pris des risques, il a vraiment bien répondu. Donc voilà, c'est un gros soulagement et peut-être que ça va effacer les quelques doutes que j'avais depuis pas mal de mois. D'autant que tu as assuré ta qualification pour Göteborg aussi, c'était important. Oui. En étant sans faute dans le premier tour, je savais qu'il me manquait peut-être un ou deux points. Donc je suis aussi parti dans ce barrage avec ce soulagement-là. Et puis très honnêtement, le début du barrage s'est bien déroulé. Et voilà, j'ai saisi ma chance. Il faut certainement en avoir un petit peu pour arriver jusqu'au bout. Mais je suis vraiment satisfait aujourd'hui de la prestation de Rêveur, de faire ça devant toute mon équipe, Emmanuel et Armand. C'est une belle journée. Donc là, Rêveur, tu nous as dit que tu vas le préserver pour les jeux, pour la saison extérieure. Donc ton plan pour la finale ? Sûrement Fort Joy et Crack de Falaise, l'un des deux ou les deux. Peut-être Crack pour la chasse, parce que Fort Joy est un cheval très chaud, avec énormément de sang pour préserver un peu le calme de Fort Joy sur le reste du championnat. Mais normalement pour Göteborg, voilà, ça devrait être les deux. Avec quel concours en préparation ? Pour Fort Joy, Hong Kong, et certainement pour les deux iront à Sertogenbosch en dernier concours, comme la plupart des cavaliers. Merci Kevin, encore bravo. Merci.